أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour notre conférence mensuelle dont la thématique sera aujourd'hui un récit qui nous est rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam et qui va mettre en scène un jeune homme, un sorcier, un moine et un roi. C'est donc un récit qui est lié à une sourate du Coran qui s'appelle sourate Al-Buruj et qui aborde le récit des gens du fossé. Et nous allons donc essayer ensemble aujourd'hui de rappeler rapidement ce récit, mais surtout, et c'est l'objectif, de pouvoir réfléchir et méditer sur ce récit, afin de faire des parallèles finalement avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui au niveau local, mais également au niveau international, notamment à travers la crise aujourd'hui, la terrible agression du peuple palestinien par la tyrannie israélienne. Donc nous allons essayer de réfléchir à la lumière de ce récit, à cette terrible réalité que nous voyons aujourd'hui, en nous rappelant justement que le Coran nous appelle à revenir vers ces récits. Ces récits rapportés par le Coran, ces récits rapportés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car ils permettent finalement de nous construire à la lumière de ceci, en nous rappelant que l'histoire est cyclique, l'histoire se répète et que finalement ce que nous vivons aujourd'hui n'a rien de neuf dans l'histoire de l'humanité, mais elle a la répétition sous d'autres formes, évidemment, de la tyrannie ou de l'injustice qui peut malheureusement ou qui peuvent exister sur cette terre. Donc le Coran nous rappelle de méditer la kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Il y a dans ces récits des leçons pour des gens doués d'intelligence. Et donc ce que nous allons essayer de faire, c'est de nous arrêter sur ce récit afin de faire des liens justement et de comprendre ce monde dans lequel nous vivons. Et que ce monde a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala sur des lois, sur des règles, ce qu'on appelle le sunan al-ilahiyya, les lois universelles. Et donc ces lois universelles sont notamment sunnatul ibtila, le fait que ce monde est basé sur l'épreuve et qu'il y aura toujours des épreuves dans cette vie. Et que l'épreuve a des sagesses, a des finalités. Et que l'épreuve est même salutaire dans le cheminement de l'individu. Il y a également sunnatut tahrir, la loi du changement, qu'il n'y aura pas de changement collectif sans changement d'abord individuel, et qu'il n'y a pas de changement individuel sans changement d'abord intérieur. Il y a la loi du succès ou de la victoire, sunnatut nasr, et que la victoire vient toujours de Dieu, et qu'il n'y a pas de victoire sans s'attachant d'abord à Dieu et sans d'abord pouvoir lutter contre soi-même, contre ses défauts, contre son ego, contre ses passions. Et donc nous allons essayer, Inch'Allah ta'ala, de partir de ce récit, et puis par après d'en faire toute une série, d'en tirer une série de leçons, et de faire des liens entre celle-ci et notre réalité, bismillah. Alors qu'est-ce qui connaît déjà ce récit? Ok, certains connaissent déjà ce récit. On va le rappeler de toute façon, dans ces grandes lignes évidemment, dans l'objectif par après à nouveau d'en tirer des leçons. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, nous apporte ou nous rapporte le récit d'un peuple précédent. Certains disent que c'était au Yémen et que ce peuple était chrétien. Ce qui nous apporte à nouveau, le détail n'est pas rapporté par le prophète, alayhi salatu wassalam, parce que l'important, c'est de pouvoir plonger dans le récit pour pouvoir en retirer des leçons. Et donc, il y avait un roi, ce roi tyrannique qui dirigeait son pays d'une main de fer afin d'établir son autorité, avait ou utilisait un magicien, un sorcier. Celui-ci était donc utilisé afin d'asseoir le pouvoir du roi en faisant croire que celui-ci avait certains pouvoirs. Mais ce roi se fait vieux. Et donc, devenant âgé, il réfléchit à demain et va trouver le roi et lui dit « Je me fais vieux, il est temps de préparer la relève. Trouve-moi un jeune homme
afin que je puisse le former. Et donc préparer ce jeune homme à prendre la relève. On va alors sélectionner un jeune homme. Et pas n'importe lequel, évidemment. Un jeune homme qui a du potentiel, qui a de la qualité. Et donc ce jeune homme va devenir l'apprenti du sorcier. Et tous les jours, il quitte sa demeure pour aller chez ce sorcier et se former. Mais un jour, sur le chemin, il rencontre un homme qui prononce des paroles particulières qu'il n'a jamais entendues. Cet homme était un moine qui vivait en dehors de la société, un ermite. Et les paroles de cet homme vont impacter ce jeune homme et vont lui donner envie de l'écouter. Et donc chaque jour, lorsqu'il vient chez le sorcier, il s'arrête un instant et converse avec ce moine qu'il a découvert. Et ainsi faisant, il va avoir ses doubles éducations. L'éducation du sorcier, la magie, la manipulation, le faux, et l'éducation de cet homme qui est attaché à Dieu, à travers la profondeur, à travers l'attachement à notre Créateur. Et un jour, alors que ce jeune homme est en chemin, il voit un attroupement, les gens sont bloqués, il y a une bête énorme qui bloque le chemin, une bête qui agresse les gens. Et ce jeune homme va profiter de ce moment en disant « Aujourd'hui, je vais savoir qui du sorcier ou du moine a la plus grande valeur. Quel enseignement a la plus grande valeur ?» Il va alors prendre une pierre et dire « Seigneur Dieu, si l'œuvre du moine t'est préférable à celle du sorcier, alors tue cette bête afin de permettre aux gens de passer. » Il prend alors cette pierre, il la lance, et cette pierre va se loger au milieu du front de cette bête qui s'effondre. Et là, les gens sont étonnés, acclament ce jeune homme qui a sauvé les gens de cette bête qui les terrorisait sur le chemin. Le jeune homme, touché par cet événement, va retrouver son maître, le moine, et lui dit ce qui est arrivé. Le maître alors lui dit « Mon petit, tu es devenu maintenant plus fort que moi. Car ce qui t'est arrivé est un miracle. Tu as réussi, avec une simple pierre, à tuer cette bête. C'est pourquoi tu vas certainement être mis à l'épreuve. Et s'il en est ainsi, si tu es éprouvé, ne parle de moi à personne. » Et ainsi donc, le jeune commence à être interpellé par les gens. Les gens ont vu ce miracle qu'il a réalisé. Ils viennent le trouver demandant que celui-ci les guérisse. Et le jeune homme, à chaque fois, dit « Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu. Faisons une invocation, toi et moi, sincèrement, et peut-être que Dieu te guérira. » Et évidemment, l'information commence à se répandre. Le roi, dans sa cour, avait un de ses courtisans qui était un homme aveugle. Lorsqu'il entend parler de ce jeune homme qui peut guérir des gens, cet aveugle rassemble de nombreux cadeaux, de nombreux présents, cherche après ce jeune homme et quand il le trouve, il lui dit « Voilà, je suis aveugle, peux-tu me guérir? Je t'offre tout cela. » Et le jeune homme de lui dire « Moi, je ne guéris personne. C'est Dieu, mon Seigneur et ton Seigneur qui peut guérir. Garde tes présents, garde tes cadeaux. Invoquons Dieu sincèrement et peut-être qu'il te guérira. » Et effectivement, cet homme va être guéri. Le courtisan du roi, tout heureux de retrouver la vue, évidemment, se rend chez le roi. Et le roi le voit évidemment venir d'un ton assez différent. « Qu'est-ce qu'il t'arrive? J'ai retrouvé la vue. » « Qui t'a donc rendu la vue? Mon seigneur et maître. » Le roi, dans son logiciel évidemment de tyran, lui dit « Ton seigneur et maître, c'est moi ?»« Non, ce n'est pas toi. Ton seigneur et mon seigneur, c'est Dieu. » Et là, ce roi se met en colère, une colère noire. Il va donc emprisonner ce courtisan, le faire torturer, jusqu'à ce que celui-ci dénonce l'homme qu'il a guéri. Et il apprend que c'est qui ? Le jeune homme.
Il envoie donc ses soldats ramener le jeune homme. Et le roi, évidemment, dans son logiciel, à lui, il se dit, waouh, trop fort ce gamin. Il a dépassé le maître. Le maître, il n'a jamais réussi à guérir personne. Parce que tout son sa magie, ce n'est finalement que de l'apparence, que du faux. Et donc il le convie. Mon petit, te voilà arrivé à guérir avec ta magie l'aveugle né, le lépreux, et à faire telle ou telle chose. Mais le jeune homme lui dit alors, je ne guéris personne, mais c'est Dieu le Très-Haut, seul qui guérit. Le roi à nouveau se met en colère. Il fait mettre le jeune homme en prison, le torture, jusqu'à ce qu'il dénonce son maître. Et rappelez-vous, le maître lui avait dit, tu vas être éprouvé, ne parle de moi à personne. Malheureusement, ce jeune homme n'a pas réussi à tenir le coup sous la torture et l'a dénoncé. On fait alors venir le moine, cet homme pieux. Et le roi lui dit, renie ta foi. Renie ta foi en Dieu et reconnais que c'est moi, ta seule divinité. Il refuse. Alors il fait torturer le moine et va lui faire couper la tête en deux. Mais celui-ci reste ferme sur sa foi. Alors il fait venir le courtisan, celui qui hier était son ami, mais qui aujourd'hui, par son changement, s'est vu renié, rejeté par ce tyran. Elle lui dit la même chose, « Renie ta foi maintenant !» Jamais de la vie. Et à nouveau, il fait mettre à mort l'ancien courtisan, ou le courtisan. Il fait alors venir le jeune homme, et lui dit « Renie ta foi !» Et à nouveau, le jeune homme dit non, jamais. Et là, le roi va réagir différemment. On analysera tout ça par après. Le roi réagit différemment avec lui. Il envoie certains de ses soldats. Prenez-le, ramenez-le au-dessus de la montagne. Et s'il ne renie pas sa foi, jetez-le dans le vide. Il monte avec lui. Et une fois qu'il est là, le jeune homme va dire « Allahumma kfinihim bimajit »« Oh mon Dieu, protège-moi d'eux comme tu le veux. » La montagne se met à trembler et les soldats qui étaient là pour le pousser tombent dans le ravin. Et que fait le jeune homme ? Il revient alors vers le roi. Le roi est étonné. Que fais-tu là? Où sont mes hommes? Dieu m'en a protégé. Soldats, prenez-le. Ramenez-le au milieu de la mer. Et s'il ne renie pas sa foi, noyez-le. À nouveau, les hommes le prennent au milieu de la mer. Le menacent. Et à nouveau, il fait cette doa. Allahumma kfinihim bimashet. Oh mon Dieu, protège-moi Dieu. Protège-moi d'eux comme tu le souhaites. Et à nouveau, une grande vague arrive, la barque se retourne et les soldats sont noyés. Le jeune homme revient alors à nouveau vers le roi. Où sont tes compagnons? Où sont mes hommes? Dieu m'a protégé d'eux. Et là alors, le jeune homme lui dit, jamais tu ne pourras me tuer. Sauf si tu fais ce que moi, je te dis de faire. M'ordonner quoi ? Demanda le roi. Tu rassembles ton peuple. Tu m'attaches sur un palmier, un tronc de palmier. Tu prends une flèche et tu tires en disant Bismi Rabbil Ghulam. Au nom du Seigneur de l'enfant. Et le roi qui a envie de montrer à tout le monde que c'est lui, la divinité, c'est lui, le Tout-Puissant. Va rassembler tout son peuple pour montrer que c'est lui qui domine. C'est moi là, j'ai ramené tout le monde pour venir voir mon pouvoir. Il attache donc l'enfant, il prend la flèche, tire, Bismillahi Rabbil Ghulam, au nom de Dieu, le Seigneur de l'enfant, la flèche touche l'enfant et l'enfant meurt. À ce moment-là, tous les gens disent nous avons cru dans le Seigneur de l'enfant. Nous avons cru dans le Seigneur de l'enfant. Nous avons cru dans le Seigneur de l'enfant. Et là, les conseillers du roi lui disent, malheur à toi. Ce que tu redoutais tant est arrivé. Toi qui avais réussi à éradiquer la foi, parce que ce roi au départ avait tué tous les croyants. Il ne restait qu'un croyant qui s'était caché en dehors de la ville pour protéger sa foi, ce fameux moine que cet enfant a découvert. Et donc lui qui cherchait à faire disparaître la foi et qui faisait croire qu'il était lui, la divinité, lui, le Tout-Puissant,
Finalement, son cauchemar s'est réalisé. Et tout le peuple s'est levé. Amenna bi Rabbil Ghulam. Nous avons certes cru en le Seigneur de l'enfant. Et donc, le roi, ce tyran, pris de folie face à la vérité qui est apparue devant lui, face au changement, à la libération de son peuple, ce qu'il ne souhaite pas et qu'il ne supporte pas, va dire à ses soldats, creusez des fossés et mettez-y le feu. Et tous ceux qui ne renient pas leur foi, jetez-les dedans. Et donc les militaires, les soldats de ce tyran vont rassembler le peuple. Et toute personne qui renie toute personne qui refuse de renier sa foi va être jetée dans le feu. Jusqu'à ce qu'à la fin, il reste une maman avec son enfant, sa petite fille. Et cet enfant regarde la mère et lui dit « Isbiri fa'innaki ala al-haq. » Sois patiente, mère. Vas-y, car tu es sur le chemin de la vérité. Et tout ce peuple va être anéanti par ce roi, par ses soldats, par la tyrannie et par la haine. Vous voulez la suite ? Ben c'est fini. La cavalerie ne vient pas. Il n'y a personne qui vient sauver ces gens. Ces gens sont perdus. Mais ces gens ont gagné. Ça, c'est le récit. Qui se termine pas comme on le souhaiterait. Hein. On attendait tous que la cavalerie arrive et qu'il sauve les innocents. Et pourtant, dans ce récit, l'histoire se termine comme cela. Le tyran, ce roi et ses soldats vont commettre un génocide et vont se débarrasser de ceux qui se sont libérés de son hégémonie. Ça, c'est le récit qui nous est rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam et qui est cité dans le Sahih de l'imam Muslim. Maintenant, ce qu'on va faire, et c'est l'objectif premier, le récit vous pouvez le trouver facilement, l'idée maintenant c'est de revenir en amont et de repasser en revue rapidement ce récit et de faire maintenant des liens entre ce récit et notre actualité, entre ce récit et ce que nous pouvons vivre au quotidien aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce que nous constatons? Ce roi, ce tyran et son magicien voient loin. Ce sont des gens qui ont une stratégie. Ce sont des gens qui réfléchissent à demain. Ce sont des gens malveillants. Ce sont des gens qui veulent le mal. Mais ce ne sont pas des gens idiots. Et donc ce sont des gens qui réfléchissent déjà maintenant à demain. Comment continuer à dominer les gens. Et donc sur Terre, il y aura toujours des luttes entre la justice et la justice, entre le bien et le mal, entre les dominants et les dominés. Et ne croyez pas que les autres dorment. Les autres réfléchissent, les autres agissent, et nous? Où en sommes-nous? Quelles sont nos stratégies pour demain? Comment on réfléchit pour se libérer de la tyrannie? Car ceux qui sont les tyrans, ceux qui sont les dominants, ceux qui ont le pouvoir, ne dorment pas. Ils continuent à agir. Et nous? Avons-nous une stratégie? Ou sommes-nous des gens de la réaction et de l'émotion? Quand les réseaux sociaux nous réveillent un peu, on va tous sauver la Palestine. Et dès que les réseaux sociaux nous se taisent, on retourne tous au McDo. Et donc, qu'est-ce qu'il y a réellement comme stratégie en tant qu'individu, en tant que communauté, en tant que société, par rapport à ces défis et par rapport à la libération des peuples de la tyrannie? La tyrannie n'est pas que une armée de colonisation tyrannique qui bombarde et qui massacre des innocents. C'est également une manière de dominer la société et les individus de celle-ci en divisant le peuple, en manipulant celui-ci par les médias, par toute une série d'autres choses. Donc si les autres réfléchissent, vous, nous, c'est quoi notre réflexion? C'est quoi notre stratégie? Qu'est-ce qu'on voit pour demain? Et donc c'est important de pouvoir également réfléchir. Car si vous ne réfléchissez pas, sachez que les autres ne dorment pas. Deuxièmement, nous constatons aussi que ce roi, qu'est-ce qu'il fait ce roi? Il utilise un sorcier. Pourquoi? Quel est le rôle du sorcier? Tromper les gens. Tromper les gens. Manipuler.
faire croire que ce roi a du pouvoir. À chaque époque, les tyrans, les dominants, vont utiliser des armes, qui ne sont pas toujours des armes pour tuer, mais des armes pour dominer. Aujourd'hui, c'est quoi qu'on utilise ? Les médias. Aujourd'hui, grâce aux médias, on va donner une version de l'histoire qui est une version tronquée, qui débute le 7 octobre, et pas en 1948. On va occulter tout ce qui se passe, les milliers de prisonniers politiques ou d'otages, les milliers d'enfants qui sont arrêtés, en tout cas les centaines d'enfants qui coupissent en prison alors qu'ils n'ont rien fait. Un État qui met en prison des mineurs, sans aucun jugement. Tout cela va être occulté. Toutes les injustices, toutes les tyrannies vont être tues. Et on va nous parler d'un moment particulier. On va créer des peurs. On va créer le problème musulman. Vous êtes un problème. Donc on va créer dans la société des peurs. Parce qu'on sait très bien que quand les gens sont dans un climat de peur anxiogène, on a facile à les manipuler. Donc à chaque époque, les dominants, les tyrans, vont utiliser des artifices pour dominer. Lui, il a un sorcier, d'autres ont les médias, etc., etc. Il y a toujours des moyens qui vont être utilisés pour dominer. Mais ce sorcier, est-ce qu'il a réellement du pouvoir ? Non. Qu'est-ce qu'il fait, ce sorcier ? Il manipule. Saharu a'yunennas. Ils vont ensorceler quoi ? Les yeux des gens. Ils vont faire que tu vois ce qui n'est pas la réalité. Ils vont faire qu'ils vont transformer cette réalité pour que tu penses que ce qu'ils disent est la vérité, alors qu'en réalité, ce n'est que de la manipulation. Et donc à chaque époque, les dominants, les tyrans, les injustes ont besoin d'une série d'outils afin de manipuler la majorité des gens. À nous d'être alertes, à nous d'être conscients de cela, afin d'éviter également d'être manipulés par les dominants. Qui est-ce qu'on va choisir ? Quand ce sorcier lui dit « je deviens âgé, il faut préparer la relève », qui va-t-on chercher ? Un jeune homme. Pourquoi la jeunesse ? Pourquoi on ne prend pas une personne âgée ? Oui ? C'est plus facile de manipuler le jeune. Le jeune homme, c'est une page blanche. Mais également, le jeune homme, c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'on va préparer, qu'on va former. Et donc, on ne va pas chercher n'importe quel jeune. On ne le dit pas dans le récit. Mais on se doute bien que le roi ne va pas aller chercher n'importe quel enfant. Qu'il va choisir un enfant qui a du potentiel. Très bien. Et donc, à chaque époque, dans chaque situation, l'éducation, c'est un défi. Moi, quand j'étais en Égypte, par exemple, nous avions l'université américaine du Caire, l'université allemande du Caire, l'université anglaise du Caire. Pourquoi est-ce qu'en Belgique, on n'a pas des universités qui viennent d'ailleurs ? Pourquoi nous, on ne laisse pas les étrangers former notre élite ? Parce qu'aucune formation n'est neutre. Parce que quand moi, je suis incapable de former mes propres élites dans mon propre pays, qui les forme ? Les autres. Et ne croyez pas que c'est neutre, la formation qu'on donne. Il y a toujours derrière une vision, une idéologie. Et donc l'avenir, ça passe par l'éducation. Et ce roi et son sorcier en ont conscience. Et donc on va aller chercher un jeune, on va préparer l'avenir, on va préparer demain. Et à nouveau, la question doit se poser à nous. Laissons les sorciers de chaque époque travailler, ils sont là et le mal existera toujours. Mais la question est nous. Est-ce qu'on se laisse berner par les sorciers ? Contemporain, ou est-ce que nous sommes conscients que l'avenir de la communauté passe par l'éducation ? Et donc il y a cette nécessité toujours d'être conscient de cela. Quel avenir ? Quel projet pour notre jeunesse ? Autre que débattre sur l'avenue du Dajjal et sur la gélatine et la musique. Parce que ça, c'est les ruses du shaitan pour détourner les musulmans de l'essentiel. C'est une construction qui va nous permettre d'être forts. On va utiliser les magiciens contemporains et les réseaux sociaux pour détourner les musulmans de l'essentiel, de ce qui nous construit. Et nous avons des gens qui ont des doctorats maintenant sur le Dajjal, mais qui connaissent rien des piliers de l'islam. Bon, pas doctorat, c'est une image. On a des jeunes qui sont spécialistes dans toutes les questions secondaires et futiles, mais qui ne connaissent pas l'essentiel et surtout qui ne vivent pas l'essentiel. Et donc, c'est important de savoir comment on construit l'avenir. Ce roi tyrannique a voulu se débarrasser de la foi.
Un seul croyant a survécu. C'était ce moine. Oui, les tyrans n'hésitent pas à recommencer les génocides, les massacres. Et donc, ils pensent être débarrassés de la foi. Dieu est inexistant dans la société. Mais Dieu est présent où? Partout. Dans la fitra, dans la nature de l'homme. Il ne faut pas grand-chose pour réveiller cette foi. Et regardez les pays qui sont sortis du communisme, comment rapidement la foi est revenue dans le cœur des gens. Et donc, il y a un croyant isolé à l'extérieur. Mais d'une seule personne, la flamme va rejaillir. C'est pourquoi, parfois dans le Coran, on nous parle d'un prophète qui est comme une communauté. Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim était comme une communauté à lui tout seul. Il portait un projet, il portait un message, même s'il était seul. Donc ici, on a cet homme qui est le seul à porter encore la foi, à avoir conscience de celle-ci. Mais à partir de cette lumière qu'il habitait encore, il va pouvoir transmettre celle-ci et permettre de réformer, de réveiller la foi dans le cœur des gens. Alors ce jeune homme, il se retrouve face à une double éducation. Il est chez le magicien, l'éducation par l'apparence, l'éducation par la manipulation, l'éducation par le faux. Et on a l'éducation chez le moine, l'éducation de l'intérieur, l'éducation de la profondeur, l'éducation par la foi et la conscience de qui tu es. Deux modèles d'éducation, deux modèles de société totalement différents. Et que fait ce jeune homme? Il a la capacité dans un premier temps de faire quoi? D'apprendre les deux. Il ne dit pas directement, c'est bon, j'ai un maître, je vais chez lui. Désolé le moine, je n'ai pas le temps. Il va analyser, découvrir ces deux perceptions du monde et de la vie. Les analyser. Et donc ça également, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Les réseaux sociaux, le pouvoir de l'apparence, des filtres, de l'image, du selfie. Toute cette culture malsaine qu'on est en train de créer chez les jeunes. Et tu as l'éducation de la foi, l'éducation de la profondeur, du sens de la vie, du pourquoi tu étudies. Est-ce que c'est juste pour gagner de l'argent? Est-ce que tu veux devenir youtubeur ou influenceur pour gagner juste de l'argent? Ou est-ce que tu es quelqu'un habité par quelque chose et dont la foi va faire que tu as un projet pour l'humanité? Tu veux apporter quelque chose aux gens. Et donc il y a cette double éducation. Et le musulman doit être cette personne capable d'analyser, de comprendre. Parce qu'on vit l'islam dans le monde, pas dans les nuages. Donc il faut comprendre la société dans laquelle on vit. Tout en ayant un regard toujours critique, comme l'a fait ce jeune homme. Et donc le jeune homme, à un moment, il est face à une épreuve. Il y a cette bête sur le chemin qui terrorise les gens. Et là, il va passer à l'application. Quelle est la bonne éducation? Quelle est celle qui va m'aider? Oh mon Dieu, guide-moi. Si c'est l'éducation du moine, on voit qu'il tend déjà vers cette éducation, sa fitra, sa prime nature, tend vers la force intérieure, et il va prendre une pierre. Est-ce qu'une pierre peut... Alors on ne dit pas dans l'histoire c'est quoi cette bête, en tout cas c'était une grosse bête, un ours peut-être, genre, c'est pas d'ours au Yémen, mais bon, imaginons, une bête en tout cas qui terrorise les gens. Et est-ce qu'avec cette pierre il peut le tuer? Non. Mais il va avoir la réponse à sa question. Il y a Allah, guide-moi. Est-ce que c'est l'apprentissage de la profondeur du cœur et de l'âme, ou c'est l'apprentissage de la manipulation, de l'apparence et du faux? Et il lance alors cette pierre. Et cette bête va être terrassée. Donc à un moment, il est important pour nous de connaître le monde, de lire le monde, d'analyser le monde, mais toujours dans un regard critique et de pouvoir à un moment poser des choix. Est-ce que moi, si je fais des études en économie, mon seul objectif c'est de faire tourner la machine, de continuer à enrichir certains, de continuer à détruire notre environnement par un système malheureusement totalement déconnecté de Dieu et du sens profond de la vie? Ou est-ce que mes études vont me pousser à comprendre le système pour être critique de l'intérieur et dire il faut une autre économie, une économie plus humaine. Il faut une autre relation aux ressources premières, une relation beaucoup plus responsable, qui est dans l'harmonie avec ces ressources premières et non dans l'abus de celle-ci, l'utilisation de celle-ci sans aucune conscience. Donc est-ce que je serai un rouage de ce système qui m'aliène et qui détruit l'humain et le monde, ou je serai quelqu'un qui a compris le système pour à l'intérieur de celui-ci améliorer, apporter ma pierre à l'édifice, car je suis habité par une foi qui fait de moi quelqu'un de différent. Je ne suis pas le mouton, je ne suis pas celui qui va reproduire ce que les autres font, je vais connaître le monde
et pour y apporter ma touche et pour être la clé du changement. Alors ce jeune homme, il est face à un dilemme aussi, parce que l'avenir chez le roi, c'est quoi? On parle du roi, on parle de son sorcier, c'est-à-dire le gars qui va lui permettre d'assurer son pouvoir. Donc ce jeune homme, son avenir, il est comment? Il est assuré son avenir, parce qu'il va être le second du roi. C'est-à-dire que l'argent va couler à flot. Donc à un moment, matériellement, il est sûr de gagner. Mais à nouveau, qu'est-ce qui m'habite moi? Et c'est ça qui tue parfois nos jeunes. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de parents. Quand vous apprenez à vos enfants qu'on étudie pour l'argent, mais soyez sûrs qu'ils ne finiront pas dans le bon chemin. Quand je dis le bon chemin, ce n'est pas que ça devienne des délinquants, mais qu'à un moment, ils vont être au service de l'argent uniquement. Il y a des gamins qui disent « Pourquoi étudier ?» Pourquoi étudier? Il suffit d'être influenceur, on gagne plus. J'ai vu un article l'autre fois sur des jeunes filles qui arrêtent l'UNIF parce qu'elles vendent leur corps par téléphone maintenant. Et donc elles gagnent des milliers d'euros sans avoir besoin d'étudier. Pourquoi je vais étudier, maman? C'est tellement facile de gagner de l'argent. Et donc à un moment, quand on oublie de dire à nos enfants qu'on n'étudie pas pour l'argent, on n'étudie pas pour un poste, on étudie pour grandir, pour s'émanciper, pour être quelqu'un d'utile dans le monde qui est le nôtre. Mais quand on oublie cela, on se perd et on devient parfois les serviteurs de la tyrannie, les serviteurs des dominants. Et donc ces études qu'on a faites ne nous permettent pas de nous émanciper et d'être une plus-value pour la société. Et donc lui va faire ce choix. Je vais lâcher le magicien. Je vais lâcher cette place qui m'était promise. Parce que finalement, mon engagement, mon savoir, il est là pour apporter quelque chose au monde. Et pas juste pour avoir un compte bancaire qui est bien rempli. Si c'est pour avoir réussi matériellement et être perdu humainement ou spirituellement, tu n'as rien gagné. Et donc ça aussi, c'est l'avenir pour les jeunes. On rêve d'être quoi? Évidemment, on ne vous montre que des modèles de réussite matérielle. Le footballeur millionnaire, la chanteuse millionnaire, le youtubeur abrutissant millionnaire. Donc voilà, on ne vous montre que des modèles de réussite facile, soi-disant. Le sportif, au moins, il s'entraîne pendant des années pour réussir. Mais bon, on vous montre ces modèles de réussite. Qui je veux être, moi? Et c'est quoi la réussite pour moi? Il y a un petit média d'RTBF qui s'appelle Views. Il y avait une jeune fille, très intéressante. On a fait des études, je pense, ingénieur, je ne sais plus en quoi. Et après ces études, elle se rend compte que ce monde de l'argent ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retire. Et c'est une jeune fille qui a des racines belgo-congolaises. Et donc, elle dit, moi, je ne veux pas l'argent, je ne veux pas le business. J'ai un bac plus 5, je suis ingénieur, mais ce monde-là, je ne m'y suis pas retrouvé humainement, et moi, je dirais peut-être spirituellement. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'engage dans des ONG. Et elle se rend compte que même dans les ONG, il y a beaucoup de racisme. Et que finalement, quand les Blancs sont à défendre, en Ukraine par exemple, et tant mieux, défendons les Ukrainiens, on voit toute l'ONG qui se mobilise. Et quand c'est pour défendre les Congolais, aujourd'hui les Palestiniens, beaucoup sont dans le silence total. Et on voit très bien qu'il y a des degrés dans la souffrance, des degrés dans les droits de l'homme malheureusement, des droits à géométrie variable, selon ta couleur, selon ta religion, selon ton origine. Et donc finalement, même de là, elle est dégoûtée. Elle s'investit aujourd'hui pour le Congo. Et j'ai trouvé cette vidéo très intéressante parce que c'était cette jeune fille habitée par quelque chose et qui se dit « Ok, mes études c'est bien, mais si c'est pour finir dans un monde qui m'aliène, ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai envie d'être quelqu'un d'utile » et d'apporter la justice dans la société qui est la mienne. Ce jeune homme lance une pierre. Est-ce qu'avec une pierre, vous allez changer le monde? Est-ce qu'avec une pierre, vous allez tuer cette grosse bête? Non. Mais le croyant se rappelle toujours une chose. Qu'est-ce qu'il t'a demandé à toi de faire? Qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire à nous? D'être dans le droit chemin. D'être dans le droit chemin. De faire les gestes, les actions, les causes. Et le résultat est entre les mains de qui? De Dieu toujours. Vous voyez aujourd'hui des résistants palestiniens qui n'ont rien en main, des gadgets, et qui réussissent à mettre en fuite souvent une des plus grandes armées du monde. Parce que ce qui les habite, ces résistants, c'est la foi. Et cette capacité à affronter la tyrannie. Et donc à un moment, rappelons-nous toujours, c'est pas grave si vous n'avez pas de moyens, c'est pas grave si on n'est pas nombreux. Malheureusement, on a un logiciel matérialiste. On voit les choses avec que le matériel. Or, la foi peut transformer. Et par la bénédiction de Dieu, avec très peu de moyens, on peut
réussir des choses énormes. Ken kem min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Combien de groupes très petits ont pu battre des groupes bien plus importants par la volonté de Dieu. Donc ne soyez jamais désespérés. Ne pensez jamais que vous n'avez pas assez, qu'on n'est pas assez fort, qu'il n'y a pas assez de moyens. Et de toute façon, les résultats, Dieu ne vous le demande pas. Dieu vous demande à chacun et chacune d'être les témoins, d'être la voix des sans-voix, d'être les acteurs et les actrices partout où vous êtes. Et le résultat, ce n'est pas à nous de nous en occuper. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il le voudra. Vous voyez, l'histoire, elle est triste. Elle ne se finit pas comme on le voudrait. Et on verra pourquoi également. Et donc ce jeune homme qui a acquis maintenant un double savoir, qu'est-ce qu'il va faire avec son savoir? S'enrichir? Non. Il va le mettre au service des gens. Il va utiliser ce savoir pour aider les autres, pour être une solution. Et qu'est-ce qu'on va voir? Les gens vont venir autour de lui, pas autour du roi, pas autour du sorcier. Parce que lui, il va être au cœur de la société et apporter des solutions aux gens. Il y a un article de l'OMS il y a 2-3 jours que j'ai lu, sur le fait qu'il y a plus de gens qui sont touchés, voire qui meurent de la solitude, que d'autres maladies parfois. Et donc on a tous la capacité de donner un peu du temps à quelqu'un, de donner du sourire à quelqu'un, de tendre la main à quelqu'un. Si on pouvait lâcher un peu ses écrans et sortir un peu de sa zone de confort. Plein de gens sont dans le besoin de vous, de belles personnes comme vous, d'un sourire, d'une main tendue, de quelqu'un qui lui accorde un peu de temps. Et donc il a un savoir utile, il apporte des solutions aux gens, et il va guérir des gens. Le moine directement, qu'est-ce qu'il lui dit? Parle pas de moi, tu vas être éprouvé. Et toute personne qui porte la foi sera éprouvée. Notre souci à nous évidemment, c'est qu'on crée des sous-hommes aujourd'hui. Des gens incapables de se dépasser, des gens incapables de sortir de nos zones de confort, des gens qui ne savent même plus sortir de chez eux, tout est take away. Tout est livré à domicile, on ne bouge plus, on attend que ça vienne à nous. On n'est plus capable de marcher, on n'est plus capable de porter, on n'est plus capable de patienter. Et donc dès le départ, il lui rappelle, tu vas être éprouvé. Il n'y a pas une personne qui est habitée par la foi, par le sentiment de justice, sans qu'il ne soit la cible. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs, on n'acceptera pas cela. Pourquoi aujourd'hui la plupart des dirigeants du monde arabe n'attendent qu'une chose, l'extermination de la légitime défense ou de l'muqawama, des résistants palestiniens. Parce que ces dirigeants, qui sont la plupart d'entre eux des tyrans et des dictateurs, placés d'ailleurs par le grand allié d'Israël, qui a refusé, vous l'avez vu hier, hein, une résolution de nouveau pour un cessez-le-feu à Gaza, tous ces gens-là ne veulent pas d'un peuple qui se libère. Tous ces gens-là ne veulent pas de jeunes et de femmes qui sont prêts à lutter pour leurs droits légitimes. Parce que ça risque de créer dans leur pays, où on est en train d'endormir gentiment le peuple, de créer des vocations, de dire aux gens, on peut se libérer. Si aujourd'hui nos frères et nos sœurs sont capables d'affronter des bombes, nous on n'a qu'à affronter un tyran. Donc on ne veut pas la réussite de cela. Et donc il y aura toujours des épreuves, et les épreuves sont multiples et plurielles, mais tous les gens habités par la foi et le sentiment de justice, sachez qu'ils seront toujours pointés du doigt, qu'on va faire peur, on va vous qualifier de dangereux, de terroristes, d'islamistes, de barbistes, de voilistes, d'islamistes. On va toujours créer des noms pour faire peur, parce qu'on ne veut pas de gens qui s'engagent, on ne veut pas de gens qui ont des consciences. On ne veut pas de gens qui sont capables d'apporter le changement parce que vous remettez en cause, évidemment, la domination de certains. Et ce sera toujours comme ça. Donc, sachez-le, toute personne qui va faire le bien sera éprouvée. Maintenant, la vraie question qu'on doit se poser, c'est quoi ma présence sur Terre? Métro, boulot, dodo, takeaway? On va rajouter takeaway maintenant. Ou est-ce que, finalement, ma vie, c'est autre chose que cela? Ce don que Dieu m'a fait, cette conscience que Dieu m'a donnée, ces capacités que Dieu m'a données, elles sont là pour quoi? Pour passer et disparaître sans avoir rien semé sur terre? Ou pour être l'acteur et l'actrice d'un changement, chacun avec ses moyens, évidemment. Et donc l'épreuve est un don de Dieu. Aujourd'hui, le sang de nos frères en Palestine, que Dieu leur accorde la victoire et la liberté, ce sang qui coule à flot sous les bombes criminelles des tyrans, ce sang redonne vie à beaucoup de gens. Ce genre permet à beaucoup de gens de se remettre en question et de comprendre finalement parfois le sens de leur vie. On a vu beaucoup de gens aux États-Unis se convertir à l'islam.
En Australie, j'ai vu récemment des gens qui sont marqués par la tyrannie, mais qui sont aussi marqués par le courage, par des hommes et des femmes qui ne possèdent rien, mais qui possèdent la plus grande des choses, la liberté. Et beaucoup d'entre eux te disent, je ne quitterai pas ma maison, tant pis, on va me bombarder, mais je ne mourrai pas ailleurs que chez moi. Et c'est ça mon acte de résistance. Imaginez ce que c'est d'être dans un immeuble où tu ne sais pas. Demain, on va te bombarder. Parce qu'on ne tue que des innocents. Hein. On n'arrive pas à s'occuper de la résistance. Ils sont trop forts pour les autres tyrans. Et donc, on va massacrer des femmes, des enfants, des familles entières, des immeubles entiers qui sont rasés dans une volonté de tuer, pas dans une volonté d'autre chose. Je regarde un débat aussi avec un spécialiste, un militaire français, qui disait clairement les bombes qui sont envoyées sont là pour massacrer. Elles ne sont pas là pour cibler, soi-disant, des gens, comme ils le disent. Le but, c'est de tuer un maximum de gens. Et donc, on a ces épreuves qui sont là. Et les épreuves font partie. Il y a des épreuves bien pires que celles-ci. C'est nos épreuves à nous. L'épreuve du sommeil, l'épreuve de la consommation, l'épreuve de ces gens, de ces hommes et de ces femmes qui meurent sans jamais avoir ouvert les yeux et ouvert leur cœur. Ça, c'est bien pire. Et ça, c'est ce qu'on vit, nous. Le confort, le luxe, la consommation. Et au moindre petit, à moindre difficulté, oh, c'est trop dur. Donc il y aura toujours ces épreuves. Et à partir de là, il faut être patient. Et la patience en islam, ce n'est pas subir, c'est une patience active. C'est une patience dans l'action, dans l'objectif de réformer. Qu'est-ce que va dire son maître quand ce jeune homme revient chez lui et lui dit « Tu m'as dépassé, tu es meilleur que moi maintenant ». Et ça, c'est le but de tout maître. Un vrai maître, un vrai enseignant en islam, c'est quelqu'un qui te fait grandir. Pas quelqu'un qui te garde sous sa coupe et qui veut toujours te garder inférieur à lui. Donc ce maître est heureux, mais lui dit attention, tu vas être éprouvé et ne parle pas de moi. Parce que je suis le seul à avoir résisté, et je serai la première victime évidemment. Maintenant qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme? Dieu lui a donné des formes de miracles. Il guérit les gens par la grâce de Dieu. Il devient donc célèbre. Il a le succès. Des millions de likes. Number one sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que ça peut faire naître, évidemment, ce succès? Rien. Rien? Un réveil de conscience. Ça peut... Ça attire la jalousie. Ça peut attirer la jalousie. Et ça peut faire naître en nous, justement, l'orgueil. Hein, être ébloui par soi-même, par ce succès que j'ai aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et ça peut nous perdre. On peut s'éloigner de la sincérité et de la volonté d'œuvrer pour Dieu. Mais à chaque fois, ce jeune homme ne dit jamais, c'est moi. Moi, je ne guéris personne. C'est lui. Moi, Dieu m'a envoyé pour te reconnecter à lui, pas pour te connecter à moi. Ce n'est pas un business. Mon but, ce n'est pas d'être une star. Mon but, c'est de vous reconnecter à Dieu. Je suis là pour ça. Ça, c'est le rôle du croyant. Pas de créer une petite secte autour de lui ou d'être une célébrité. Et tant mieux si on est célèbre dans le bien, il n'y a pas de mal à être célèbre dans le bien, entre guillemets, mais on ne cherche pas la célébrité. Tant mieux si un imam a 1 million de vues. Mais attention à ne pas tomber dans l'idolâtrie du like. Il y a un moment de dire ce qui plaît aux gens, et pas ce qui plaît à Dieu. De choisir des sujets abrutissants, parce que ça assure des likes, plutôt que d'avoir des sujets éducatifs qui vont faire grandir la communauté. Et donc ce roi, malgré son pouvoir, malgré qu'il a ce... comment il s'appelle? Ce magicien. Les gens ne l'écoutent pas. Les gens ne le suivent pas. Qui les gens vont suivre? Ce jeune homme venu du peuple. Ce jeune homme qui est au service de qui? Du peuple. Et c'est ça qui fait le plus peur d'ailleurs toujours. Ce sont lorsqu'il y a dans les PRA, par exemple, tous les mouvements populaires issus du peuple, on lutte contre ceux-ci. Dans certains PRA, on criminalise même les syndicats. Et même en Belgique, on voit des gens qui commencent à s'attaquer aux syndicats. Parce que les dominants, ils ne veulent pas d'une société civile forte. Ils ne veulent pas de gens et de citoyens conscients. Parce qu'ils sont ennuyants. Ils demandent des droits. Ils remettent en question l'ordre établi. On ne veut pas de ces gens-là. Et vous avez même des savants à la solde des tyrans qui vont vous sortir des fatwas pour vous dire « C'est haram les partis politiques, c'est haram de voter, c'est haram les syndicats, c'est haram de manifester. » Parce qu'on veut évidemment garder le peuple toujours sous la coupe du dominant. Et donc malgré le pouvoir des tyrans, le peuple n'est pas aveugle. Ayez confiance dans les gens. Les gens restent dans
dans le fait, dans la prime nature. Ils voient ce jeune à leur service et ils vont suivre celui-ci. Le courtisan du roi est aveugle. Et que va faire ce garçon? Lui rendre visite. La vue. Et ça, c'est le rôle de tout croyant. Parce qu'il n'y a pas que le fait d'être aveugle, réellement, la cécité. Il y a un autre aveuglement, c'est lequel? L'aveuglement du cœur. Et donc ce jeune homme, il va venir ouvrir les yeux. Et c'est ça la croyance. On est tous les mêmes, on ne change pas. Le monde, c'est le monde. Mais quand la foi entre dans ton cœur, tu ne vois plus le monde de la manière, de la même manière. Moi, j'en regarde beaucoup de convertis, et chacun d'entre nous, dans notre cheminement, on se rend compte d'un moment où notre regard change. Parce que qu'est-ce qui permet à ce regard de changer? C'est le cœur. Alors ce cœur est illuminé par la vérité, par Dieu, il ne voit plus le monde de la même manière. Il ne voit plus les épreuves de la même manière. Et donc, il vient pour ouvrir les yeux. Et ça aussi, c'est notre rôle. Et alhamdoulilah, grâce à des belles personnes comme vous, il y a plein de gens qui rentrent dans l'islam. Mais aussi, il y a plein de nos frères et de nos sœurs dans l'islam et dans l'humanité qui ont encore les yeux clos. Notre travail, justement, c'est ça. On ne peut pas changer les cœurs, on n'a pas la clé. Mais on doit chercher à réveiller les consciences, à ouvrir les yeux. Comme l'a fait ce jeune homme. Quand le courtisan arrive, il lui propose des richesses. Mais que dit ce jeune homme? Je ne veux pas. Je ne fais pas ça pour l'argent. Et ce n'est pas moi qui guéris. Mais à nouveau, c'est une fitna, c'est une tentation. Hein, quand on commence à mettre de l'argent devant toi. Tais-toi, parle plus trop. Ne sois plus trop critique. Tiens, tu as une bonne place au ministère. Tiens, tu vas être l'imam de la République. Et on te met de l'argent. Viens sur les plateaux, dis des bêtises, t'inquiète pas, on te finance. C'est une fitna. Alors c'est facile de dire, ouais, nous on est fort. Mais quand on te propose 5 000, 10 000 euros par mois, ah, le cerveau il travaille. Mais ce jeune, il reste fidèle. Je suis là pour mon Seigneur, pas pour gagner de l'argent. Et ce n'est pas que comme ça. Hein. Il y a des gens, on leur dit simplement, tu travailles, tais-toi, on ne veut pas que tu parles. Reste neutre. Non, on doit être quelqu'un d'engagé, d'intelligent évidemment aussi. Ce courtisan était un ami du roi. Il était dans le même système que le roi. Le roi est cette divinité vivant parmi nous. Pourtant, lorsque la foi va habiter le cœur de ce courtisan, qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir devant le roi et lui dire, ton Dieu et mon Dieu, c'est qui? C'est Allah. Est-ce qu'il a encore peur du roi? Non. La foi libère. La foi te rend fort. Tu n'as plus peur des fausses idoles, du faux pouvoir du roi ou du tyran ou des médias ou des critiques qu'on va te faire. Tu es quelqu'un qui a été libéré. Et cette libération va faire quelqu'un, va te rendre fort, capable d'affronter les difficultés. Est-ce que ce roi va avoir de la pitié pour ce courtisan? Cet homme qui était proche de lui. Mais lorsqu'il a changé sa foi, lorsqu'il s'est libéré du système, plus de pitié pour toi. Tu es mon ami, je t'utilise tant que tu es d'accord avec moi, mais quand tu me trahis, quand tu n'es plus dans le chemin que moi j'ai défini, tu n'étais qu'un outil, tu n'étais qu'un chiffre, je me débarrasse de toi. Et donc il n'y a pas de miséricorde dans le cœur du tyran. Il va te torturer, il va te tuer, même si hier tu étais son ami. Parce que ce qui l'intéresse lui, c'est son pouvoir. Et on verra qu'il est prêt à détruire son peuple. Et l'exemple syrien n'est pas loin de quelqu'un qui s'attache au pouvoir et qui est prêt à massacrer ce peuple. C'est pas grave, je ne lâcherai jamais mon siège. Et donc il est là, ce tyran, dont le cœur est fermé, comme une pierre. Encore plus dur que la pierre, comme rappelle le Coran pour certains. Le moine va être torturé. Est-ce qu'en islam, lorsqu'on me torture, je peux renier ma foi? Je vous attrape, je suis un criminel, un tyran, je vous torture et je vous oblige d'abjurer votre foi. Pouvez-vous le faire au niveau de l'islam? Oui. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Le Coran nous rappelle, quand il parlait des persécutés à l'époque mécoise, à l'exception de celui qui est obligé, mais dont le cœur reste ferme sur la foi. Donc on pourrait le dire, mais pourquoi le moine ne le fait pas sous la torture? Pourquoi est-ce que le moine ne fait pas cela? Parce que ce moine, il est un modèle. Parce que ce moine, il est l'éducateur de cet enfant. Moi, je ne peux pas flancher. Parce que je suis celui qui est enseigné à ce gamin la liberté.
Je suis celui qui a été le modèle pour lui. Et si moi je flanche, peut-être que c'est cet enfant qui flanche avec moi. Et donc je reste un exemple. Comme nos frères aujourd'hui en Palestine, beaucoup restent. Beaucoup sont prêts à mourir. Beaucoup affrontent. Parce qu'à un moment, ils sont un exemple. Pour cette communauté endormie. Pour cette humanité, humanité qui a oublié les grandes valeurs qui devraient être les siennes. Et donc il restera un modèle jusqu'au bout, quitte à donner sa vie. Pourquoi est-ce que le roi tue le moine et le courtisan devant le jeune homme, mais ne fait pas la même chose avec lui? Il veut lui faire peur. À nouveau, ce roi a des intérêts. Et il s'intéresse à cet enfant parce qu'il est censé rendre pérenne son pouvoir. Et donc il veut l'intimider, il veut l'effrayer. Regardez ce qu'ont fait les médias. Regardez la crainte que l'on crée autour de la question palestinienne. Ou même en parler et parfois criminaliser. Donc on crée des peurs pour que les gens se taisent. Et j'ai aimé cet imam français à Marseille qui, la première semaine des événements en Palestine, dit « On nous demande de nous taire et moi je parlerai. » Parce que je suis quelqu'un qui a une conscience et parce que je ne fais que défendre la justice face à la colonisation, face à l'injustice. Et donc il y a toujours cette volonté de menacer, de faire peur pour que les gens se... Et malheureusement, beaucoup de gens se taisent et ont peur alors qu'il n'y a rien finalement qui devrait nous faire peur de réel. On n'est pas des gens oppressés, on ne va pas finir en prison. Hein. Mais on crée des peurs pour mieux dominer les gens. Donc il ne veut pas tuer cet homme, ce jeune homme parce qu'il a besoin de lui. Et donc il le garde en vie. Il a besoin de lui. Et là aussi, il faut faire attention. Est-ce que nous ne sommes pas parfois l'idiot utile? Est-ce que nous ne sommes pas parfois celui qui va être utilisé par le tyran, par l'injuste, pour accomplir son funeste dessein? Sommes-nous des gens libres et conscients? L'imam Mohammed Ghazali disait « Il ne suffit pas d'être un traître pour être au service de ton ennemi, il suffit simplement d'être idiot parfois. » Et donc attention, soyons conscients, ouvrons les yeux pour ne pas être indirectement ou inconsciemment au service de la tyrannie et de l'injustice. Le roi cherche à détourner ce jeune homme, mais le jeune homme ne va pas flancher. Pourquoi? Parce que la différence entre lui et nous, c'est que nous, on n'a pas de projet, nous, on n'a pas de vision. Beaucoup de jeunes, malheureusement, aujourd'hui, dans les mosquées, s'investissent, mais pas par conscience, par intérêt personnel. On a créé une culture aujourd'hui de l'égoïsme. Même mon engagement est un engagement pour moi, plus pour un projet. Les anciens, ils sont là depuis des années, et ils tiennent, et ils tiennent, et ils tiennent. Pourquoi ils tiennent? Parce qu'ils ne sont pas là pour s'amuser. Ils ne sont pas là pour se divertir, ils sont là parce qu'ils sont conscients et qu'ils sont habités par quelque chose, par un projet pour Dieu. Aujourd'hui, le problème de beaucoup, c'est qu'on a un bénévolat ludique. On est là pour s'amuser et pas pour s'engager. Et donc, je vais à la mosquée tant que ça me plaît, tant qu'il n'y a pas de responsabilité, tant qu'il n'y a pas trop d'engagement. Et le jour où j'ai plus envie, je m'en vais. Et je fais quoi? Rien. Métro, boulot, dodo. Et je finis, comme tous les frères et sœurs que je connais qui ont quitté l'engagement, à être un gentil petit gars, un musulman bobo, métro, boulot, dodo, une belle petite maison, une belle petite voiture, et finalement je suis qui? Et je fais quoi? Et donc là on a ce jeune homme qui ne se laisse pas intimider, parce que je suis habité par un projet, je suis habité par une cause. Et ça c'est ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Des gens qui sont habités par quelque chose. Et donc il ne se laisse pas perturber, il agit, il œuvre, malgré les menaces. Car il sait que Dieu a un plan et que ce jeune homme fait partie. On ne sait pas parfois ce que le plan de Dieu va nous amener. J'étais en Turquie il y a 3-4 ans pendant mes vacances et on rencontre un savant saoudien dans l'hôtel où j'étais. Et donc on discute avec lui, il était avec un groupe d'étudiants en troisième cycle universitaire et donc ils avaient des séminaires et ils nous invitent à participer, moi et mon épouse. Et donc on assiste à son intervention du soir. Le cheikh, je le connais par ses livres, je ne le connais pas personnellement, ni son histoire, on va dire. Et en fait, quand il commence à discuter, je comprends qu'en fait, il a dû fuir la répression en Arabie.
Vous savez qu'en Arabie, beaucoup de savants sont en prison. C'est un régime tyrannique et despotique. Et donc ce savant a dû fuir. Et donc je comprends en fait quand il parle que... Donc il nous parle de la Mecque, il nous parle de Médine, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il quitte la Mecque, il ne va pas être tout le temps dans la... comment on appelle ça, dans le blues, le mot m'échappe, de toujours regretter la nostalgie de la Mecque. Il ne va pas tout le temps pleurer, on était si bien à la Mecque. Et maintenant, non. À un moment, le plan de Dieu a voulu qu'il quitte la Mecque, la terre qui était la plus aimée auprès de lui, comme il le dit en la quittant. Mais quand il arrive à Médine, qu'est-ce qu'il dit? Oh mon Dieu, fait que nous aimions autant Médine que la Mecque, ou même plus. Et jamais il va revenir à la Mecque. Même quand il revient plus tard à la Mecque pour libérer la Mecque des tyrans polythéistes, il n'y reste pas. Et il dira aux Médinois qui ont peur qu'il reste avec à la Mecque, si les Ansar choisissent un chemin, je suivrai ce chemin. Parce que j'ai une voie, parce que j'ai compris. Et que Dieu, à un moment, en son plan, c'était que je sois ailleurs. Et ce cher, en fait, je comprends, et il comprend. Je pensais jamais être ici un jour en Turquie. Maintenant, je suis là. Et donc, je ne suis pas là pour rien. Si Dieu m'a mis ici, c'est qu'il y a une sagesse. Et donc, il est en train de former une élite aujourd'hui, là-bas, qui vient profiter de son enseignement. Alors que sa famille est restée en Arabie. Mais lui, Dieu a fait un moment que dans son chemin, il se retrouve en Turquie. Et il n'est pas en train de pleurer sur son cher pays. Il est en train de se dire, si Dieu m'a mis ici, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi le roi ne met pas d'abord à mort le jeune homme directement? Pourquoi il ne dit pas à ses soldats, allez, abattez-le devant tout le monde? De quoi a peur le roi? De oui, Dieu. Le roi n'a pas peur de Dieu, malheureusement. C'était un injuste, oui. Il a peur que l'autre sorcier meure et alors il sera tout seul. Il a peur que le sorcier meure et qu'il n'ait pas une relève, peut-être. Il a peur du peuple. Parce que ce jeune homme, maintenant, il est devenu quelqu'un d'apprécié par le peuple. Et donc, il a peur de faire un martyr, comme vous dites bien. Il a peur de donner un exemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut se débarrasser de la résistance. Et que les premiers à soutenir, malheureusement, la tyrannie et l'injustice et les bombardements, ce sont certains régimes arabes. Parce qu'on ne veut pas de modèles. Parce qu'on ne veut pas d'une jeunesse qui croit encore en demain. Parce qu'on ne veut pas de gens qui ont un espoir et qui voient que des gens qui n'ont rien sont capables de lutter face à une telle puissance. Et donc, ça fait peur. Parce que ça va réveiller des consciences, ça va réveiller des cœurs. Et donc, qu'est-ce qu'il fait à ses soldats? Il leur dit, allez vous débarrasser de lui discrètement. En espérant toujours qu'il va faire demi-tour, en le menaçant. Et donc, il veut se débarrasser de lui discrètement. Les tyrans, les dominants, ne supportent pas les gens libres. Et ils vont vouloir se débarrasser d'eux, soit physiquement, soit indirectement. Comme on a fait. On avait des leaders de la communauté musulmane francophone, qu'est-ce qu'on a fait avec eux? On les a détruits, on a cassé leur image, on a fait tout pour qu'à un moment, ceux qui étaient des leaders ne le soient plus. Parce qu'on a peur de ces gens, on a peur de gens. Aujourd'hui en France, on est en train de fermer le premier lycée, en tout cas on cherche, les autorités cherchent à fermer le premier lycée privé sous contrat, musulman de France, qui a déjà eu le prix de meilleur lycée de la France au niveau des résultats, et qui est chaque année le meilleur ou dans les meilleurs dans la région du nord de la France. L'État français, les autorités, ce régime aujourd'hui malheureusement qui a oublié les droits de l'homme et les lumières comme ils le prétendent, est en train de chercher à fermer cette école et à lui retirer ses subsides. Parce qu'on ne veut pas d'une élite, on ne veut pas de gens qui connaissent, on ne veut pas de lumière, on ne veut pas de gens qui sont des exemples de réussite. Parce que ça nous permettra plus de dominer, évidemment, le petit peuple. Et donc, on va chercher à se débarrasser de lui discrètement. Ou on va se débarrasser des gens indirectement, comme on le voit aujourd'hui. Mais ce jeune est préservé par Dieu. Qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Allahu makfinihim bimashit. Il invoque son Seigneur. Dieu, protège-moi d'eux comme tu le veux. Et donc, il est dans cette confiance, il est serein. Il est seul face à la mort, mais il n'a pas peur. Comme nos frères aujourd'hui en Palestine. Ils sont face à la mort, ils n'ont pas peur. Et tu vois des gens qui affrontent des chars avec une bombe faite maison, ils partent en courant, ils piquent un sprint, et il vient affronter un char. Alors évidemment, on ne vous montrera jamais ces gens comme des héros, hein, on va vous faire tout le contraire dans nos chers médias, à la solde malheureusement de la tyrannie et de la dictature, et de l'imposture. Mais ça, ce sont des vrais. Et c'est pour ça qu'on veut tout cacher. C'est pour ça qu'on ne veut pas montrer dans les médias. Parce que là, il y a des vrais héros.
Là, il y a des gens qui... Et c'est le dernier conflit colonial sur Terre. Donc on ne veut pas que l'on montre ces gens. On ne veut pas savoir ce qu'ils pensent. On ne veut pas parler de cette résistance héroïque. Donc là, c'est ce jeune, il a confiance, il sait où il va. On me menace, je vais mourir. Ben, allez, je suis là. Parce que je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour quelque chose de plus grand que moi. Et nous, on ne veut pas de mourir. Hein. Nous, on est des petits Européens, bien dans notre petit cocon. Hein. Mais au moins de vivre pour une cause. Au moins de savoir pourquoi je suis là. Et au moins d'essayer d'apporter quelque chose comme l'a fait ce jeune homme. Quand Dieu le libère des deux premiers sur la montagne, qu'est-ce qu'il fait le gamin? Il pique un sprint? Il va se cacher? Il fait la hijra? Là, il invoque et puis il revient chez le roi. Pourquoi il revient chez le roi? Parce que je ne suis pas là pour moi. Ce n'est pas moi qui compte. Je suis là pour un projet. Je suis là pour libérer les gens. Et cette flamme et cette conscience qui m'habite, elle me pousse à revenir chez toi, le roi. Et le roi à nouveau, il se dit, oui, bon, allez, on va encore un peu le... Il ne veut pas le lâcher parce qu'il a envie de ce gamin. Il a besoin de lui. Mais de nouveau, il ramène des gens loin pour se débarrasser de lui ou en tout cas l'intimider. Et à nouveau, Dieu va le protéger. Mais à nouveau, il revient. Je reviens parce que je n'ai pas peur de toi. Parce que je ne suis pas là pour moi, pour mon intérêt ou pour mon confort. Et à ce moment-là même, qu'est-ce qui va se passer? On va inverser le rapport de force. Hier, c'était le roi qui décidait comment se débarrasser de toi. Aujourd'hui, c'est moi qui vais te dire, si tu veux te débarrasser de moi, tu dois suivre moi. Et vous verrez qu'à la fin, ce sont les résistants qui vont dicter leurs conditions aux colonisateurs. Parce qu'à un moment, ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Ce n'est pas les bombes, ce n'est pas l'armement, ce n'est pas la haine et l'inhumanité. C'est une foi et un attachement à la terre. C'est ma terre. Tu peux me tuer, tu peux tuer les autres, mais je serai toujours là. Et si ce n'est pas moi qui est là, mon sang est là. Mon âme est là. Parce qu'ici, c'est chez moi. Ce n'est pas chez toi. Et donc, je resterai jusqu'au bout. Fidèle. Et donc ce jeune homme, à un moment, subhanallah, c'est lui maintenant qui domine le roi. Et c'est lui qui va dire au roi, maintenant c'est mes conditions. Ce n'est pas toi qui définis la suite, c'est moi. Parce que par ma constance, par ma force, tu as obligé l'autre, à un moment, à revoir les clauses. À revoir les présences en force. Ou les forces en présence, pardon. Et ça c'est toujours quand tu es conscient, quand tu es constant. Quand tu as cette force, et on va t'intimider, on va te faire peur, on va t'agresser. Mais il faut pouvoir rester constant. Il va même dire à ce jeune homme finalement, au roi, pardon, le jeune homme va dire au roi, tu veux débarrasser de moi? Voilà comment faire. Est-ce qu'il veut se suicider? Non. Mais lui dit, voilà, la seule manière de te débarrasser de moi, c'est celle-là. Celle que moi, je t'explique. Parce que c'est moi maintenant qui ai pris le pouvoir, c'est pas toi. Et mon pouvoir n'est pas le pouvoir des armes, mon pouvoir est le pouvoir de la foi et des valeurs. Et ça, tu ne l'as pas, toi. Tu peux menacer, tu peux faire peur, mais tu ne peux pas faire ce que je fais. Tu ne peux pas gagner des cœurs. Tu peux manipuler, tu peux croire aux ignorants que tu es la seule démocratie du Moyen-Orient, tu peux faire quoi? Mais les gens ne sont pas aveugles. Les gens voient la tyrannie, les gens voient les criminels. Et même si beaucoup sont encore aveugles, beaucoup de gens ouvrent les yeux. Et même dans les pays qui sont les premiers soutiens, comme les États-Unis, il y a plein de manifs. Il y a plein de gens dans les universités aujourd'hui qui soutiennent la cause légitime du peuple palestinien. Parce que tu as beau être le tyran, tu as beau avoir les moyens, il y a toujours quelque chose que tu ne possèdes pas. Parce que toi, c'est la tromperie et le mensonge. D'autres, c'est la foi et les valeurs. Et c'est ça qui marque les gens. Mais malheureusement, ce roi n'a pas de considération humaine. Et il va être prêt à détruire son peuple. Donc là, il est face à ce jeune homme qui lui dit, voilà comment te débarrasser de moi. Et que va faire le roi? Il va appliquer. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Bismillah, Rabbil Roulam, au nom de Dieu, le Seigneur de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant a réussi à mener le tyran à devoir reconnaître que finalement, qui a gagné? La foi et les valeurs. Et c'est qui l'a reconnu devant tout le monde? C'est toi le tyran. Parce que je suis resté ferme. Parce que tu m'as menacé, mais je suis resté là. Parce que j'aurais pu fuir, mais je n'ai pas fui. Je suis resté là. Quitte à subir, quitte à perdre en apparence devant les gens. Mais nous ne perdons pas.
Parce que ceux qui gagnent, ce sont les valeurs. Parce que ceux qui gagnera dans l'histoire, c'est ceux qui sont restés à lutter. Et on ne retient jamais les criminels, sauf si c'est pour les maudire. Et on retiendra les gens. Et on retiendra les mensonges. Et on reconnaîtra les tyrans. Et ceux, malheureusement, qui ont été à leur service. Et finalement, ce roi, sa plus grande peur que son peuple retrouve la foi, c'est lui-même qui en a été l'acteur. Toi-même dans ta folie, toi-même dans ton assassinat de l'innocent, tu as prouvé à tout le monde qui est le criminel. Tu as prouvé à tout le monde qu'est-ce qui est la faux, et tu as prouvé à tout le monde où est la vérité. Et tout le peuple a dit « Amenna bi Rabbil Ghulam ». Maintenant nous croyons dans le Seigneur de l'enfant. C'est lui qui est la vérité. C'est pas toi, c'est pas ton pouvoir, c'est pas tes médias, c'est pas ta manipulation. On n'y croit pas, on n'y croit plus. Parce qu'on a vu des gens qui se battent. On a vu des gens qui ont une cause. Et les gens, c'est ça qui les marque. On peut être trompé, beaucoup de gens sont malheureusement dans l'insouciance ou l'ignorance. La rafla, comme l'appelle l'islam, hein, c'était l'insouciance. Mais à un moment, je voyais l'autre fois aussi un ancien militaire français qui était dans les casques bleus à la frontière libanaise. Et il disait, quand on est venu, on était tous anti-palestiniens. Et on est tous repartis pro-palestiniens. Personne ne voit ce qui se passe sans changer totalement. Parce qu'ils voient les horreurs et les atrocités. Mais évidemment, ceux qui restent cachés derrière leurs écrans et derrière certains médias ne peuvent le voir, malheureusement. D'où l'importance d'ouvrir les cœurs. Et donc ce roi, ce tyran, quand il voit son peuple entrer dans la foi, qu'est-ce qu'il fait? Un génocide. Il ne veut pas affronter la vérité. Il ne veut pas voir les gens se libérer. On préfère vous massacrer. On va vous bombarder. Et on va faire quoi? On va creuser des fossés. Et ces militaires vont jeter les gens qui ont la foi dans ce fossé. Et ils vont périr. Comme on fait aujourd'hui. On bombarde, on assassine, on massacre, on humilie. Mais ça ne marche pas. Parce que ceux qui sont habités par la foi sont vivants auprès de leur Seigneur. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses. Et malheureusement, ce tyran n'est pas tout seul. Ce tyran, il a des soldats. Le Coran nous parle de Pharaon et nous dit Pharaon, Haman, son ministre et ses soldats étaient dans l'égarement et dans l'erreur. Il n'y a jamais de tyrannie sans complices. Il y a des complices directs et indirects. Il y a ceux qui sont complices parce qu'ils agissent et il y a ceux qui sont complices parce qu'ils se taisent. Et donc attention, de quel côté sommes-nous? Le côté de la justice et de la vérité? Ou le côté du « je m'en fous ». Parce que ça aussi, c'est de complice indirectement. Se taire ou fermer les yeux volontairement. De nouveau, il n'y a pas que la Palestine sur terre. Hein. Il y avait une manifestation aujourd'hui à Bruxelles concernant les droits de nos frères au Congo, où il y a des milliers de morts chaque année, où il y a, pour les ressources premières, on a malheureusement des zones de non-droit qui sont créées depuis des décennies et où il y a des milliers de gens qui meurent. Et beaucoup se taisent. On a les Ouïghours, évidemment, que nous connaissons, les Tibétains. Il y a partout, encore malheureusement, de la tyrannie et de l'injustice. Il y a de l'injustice sociale aujourd'hui, devant nos yeux. Et donc, il y a ce besoin d'être conscient. Il n'y aura jamais de tyran sans qu'il n'ait malheureusement des gens qui les soient. Et on a vu, pendant les tentatives de révolution, qui ont échoué malheureusement souvent, mais comment, très rapidement, le château de cartes peut s'effondrer. Comment le tyran peut être mis de côté. Maintenant, évidemment, changer un système, ça demande plus de temps que cela, évidemment. Mais attention à ne pas être les complices, par notre insouciance, par notre silence, ou pire, par notre action. Un article aujourd'hui nous parle de la SNCB, qui a transporté des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc pour de l'argent. Et donc ça, c'est grave, c'est terrible, de voir un moment comment on peut être complice de la barbarie. Et on voit à la fin cet enfant qui va dire à sa mère « Isbiri, fa'innaki al-haq. » Patiente, maman, car tu es dans la vérité. Et vous avez vu peut-être nos enfants en Palestine, combien d'entre eux ont des discours, subhanallah, que même les hommes d'ici ne peuvent avoir. Des enfants qui ont du courage, qui ont une conscience et qui sont habités par quelque chose qui manque à beaucoup d'adultes aujourd'hui autour de nous. Et donc on a cette femme qui est là et qui est sans doute prise par cet amour maternel qui a peur pour son enfant et lui dit « N'aie pas peur maman, nous sommes dans le chemin de la vérité. » Et que fait malheureusement ce tyran?
il n'est pas pris par la compassion. Ce ne sont que des chiffres parce que tous les tyrans et tous les monstres et les criminels déshumanisent l'autre. L'autre n'est plus un humain, l'autre est un chiffre. L'autre n'est plus un humain, il est un animal. Et même un animal, Gaïa va se lever pour les sauver. Mais quand c'est nos frères en Palestine, personne ne parle. Ou très peu en tout cas. Et surtout personne n'agit. Réellement. Et donc cette déshumanisation est hyper dangereuse et malheureusement, elle est là, elle existe. Et ce tyran l'a fait et d'autres tyrans le font aujourd'hui. D'où l'importance pour nous, on le voit comment les médias, on va vous parler jamais de l'histoire de ces enfants qu'on massacre. On déshumanise, ce ne sont que des chiffres. 1000, 2000, 3000, 4000, 15000, 16000, 17000, plus tous ceux qui sont sous les décombres. Un ancien militaire français disait les chiffres des Palestiniens sont faux. C'est beaucoup plus en réalité. Mais il y a encore des milliers de gens qui sont morts et qui sont en dessous ou qui meurent à petit feu en dessous des immeubles qui se sont effondrés sur eux. Donc les chiffres sont sous-estimés. Selon lui, on est à 20, 25 000 peut-être. D'innocents qui ont été massacrés, de femmes et d'enfants, dans leur immense majorité. Mais on déshumanise, on ne parle jamais de leur histoire. Ce ne sont pas des humains, ce ne sont que des chiffres. Et les mots sont bien choisis et bien pesés dans les médias. On met des histoires, on crée. Regardez l'Ukraine, c'est la même chose. On a créé autour de l'Ukraine, et tant mieux, aidons les Ukrainiens. Mais on va créer autour de l'Ukraine toute une histoire, on va humaniser tout cela. Mais pour le conflit palestinien, non. On va déshumaniser, comme l'a fait ce tyran, comme le feront les monstres à toute époque de l'histoire. D'où à nous d'être conscients de cela et de ne jamais permettre la déshumanisation de n'importe qui. Et pas non plus de nos frères juifs. Parce que certains musulmans vont tomber dans la même erreur de criminaliser, de s'attaquer à nos amis juifs. Nous sommes contre la tyrannie et l'injustice. Nous ne pouvons jamais, en tant que musulmans, aller à l'encontre d'une religion et de ses adeptes. Nous sommes contre la tyrannie, contre l'injustice. Et jamais contre des individus la foi qu'ils portent. Alors il y a une fin qui est perturbante. On aime bien les happy ends, et moi le premier. Il n'y a pas de belle fin dans cette histoire. On espère qu'à un moment il va avoir une cavalerie, que les anges vont venir, qu'il va avoir un miracle. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de cavalerie. Le peuple est massacré. Et ça se termine comme ça. Mais est-ce que c'est réellement la fin? La lutte entre le bien et le mal va toujours perdurer. Il y aura toujours des batailles, en fait, des stations, des étapes entre le bien et le mal. Des moments, malheureusement, où c'est l'injustice, où nous sommes face à un génocide. Et malheureusement, nous ne voyons pas de solution. Le prophète à la Mecque, alayhi salatu wa salam, passe devant les compagnons qui sont torturés, devant lui, mais il ne peut rien faire. Il n'a pas le pouvoir de changer les choses. Sabran ala Yassir, fa'innama idakum el jenna. Il va dire à la famille de Yassir qui est torturée, Soumaya sera assassinée, son mari sera assassiné par les tyrans de l'époque qui ne supportent pas la liberté, qui ne supportent pas un peuple qui se lève. Et donc on va assassiner Soumaya, on va assassiner son mari. Le prophète ne peut rien faire, si ce n'est dire patience. Je n'ai pas entre les mains, malheureusement, le pouvoir de faire changer les choses. Et donc, cette lutte entre le bien et le mal est faite d'étapes, de moments tristes et de moments de joie. Mais à nouveau, le croyant se rappelle une chose. Ceux qui meurent ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur, ils ne sont pas morts. Ceux qui sont morts, ce sont les autres. Les vrais morts aujourd'hui, ce ne sont pas nos frères et nos sœurs, qui, Inch'Allah Ta'ala, sont tous des gens qui ont le martyr et qui sont auprès de Dieu. Ceux qui sont morts, c'est les gens qui regardent cela. C'est les dirigeants du monde arabe qui regardent tout cela en train de pactiser en dessous de la table avec les tyrans. C'est les cœurs de nombreux musulmans qui, malheureusement, se sont laissés endormir, se sont laissés étouffer et ont vu leur cœur petit à petit peut-être mourir. N'oublions pas qu'il y a l'au-delà, une autre vie, un moment de la justice, un moment du jugement, et que finalement ceux qui ont subi les injustices seront les vainqueurs auprès de Dieu, alors que les tyrans seront avec Pharaon, Haman,
et tous les tyrans finalement en enfer. Voilà quelques éléments que je voulais modestement essayer de retirer de ce récit. On va clôturer après par un petit débat, Inch'Allah. En tout cas, pour cette partie-là, c'est terminé. Que Dieu nous accorde un savoir utile, nous libère, donne la victoire à nos frères et sœurs en Palestine, qu'il les soutienne, qu'il libère tous les peuples opprimés des tyrans, qu'il ouvre les cœurs et qu'il ouvre les esprits, qu'il fasse de nous les soutiens de la justice et des opprimés partout sur terre. Ô notre Seigneur, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le Fort, accorde le succès et la liberté à nos frères et sœurs en Palestine. Ya Allah, sois le soutien, sois l'allié des opprimés. Ô notre Seigneur, guéris les blessés, fais miséricorde à nos martyrs en Palestine, unis notre communauté et l'humanité derrière la justice, et libère les opprimés des tyrans, et libère nos cœurs de la tyrannie, de nos passions, de l'inconscience et de l'insouciance. Subhan rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin.